Bienvenue à vous, mes artisans de paix. Soyez les bienvenus, mes belles âmes, sur l'assaut Énergie Divine, votre chaîne d'amour, de voyance, de guidance et de partage. Je suis heureuse, mes trésors, de partager avec vous une nouvelle vidéo qui, je l'espère, va vous plaire. Alors, c'est une vidéo un petit peu particulière. À qui avons-nous affaire? Oui, vous avez bien entendu, à qui avons-nous affaire? Parce que nous avons beau vivre avec les gens, on ne sait pas qui ils sont réellement. Et grâce à cette petite vidéo, j'espère que vous allez pouvoir découvrir un peu mieux à qui avez-vous réellement affaire. Mes chers amis, Balance, que vous soyez signe solaire ou signe lunaire ou ascendant Balance, bienvenue à vous mes trésors, c'est votre tour. Nous allons savoir tout de suite ensemble qui êtes-vous vraiment, mes chers Balance. Et oui, nous qui vous côtoyons, on a besoin de savoir qui êtes-vous, que nous soyons votre ami, que nous soyons un parent, que nous soyons votre patron ou bien votre chéri, nous avons besoin de savoir qui êtes-vous réellement, nos chers balances chéris, afin de mieux vivre avec vous, nos trésors. Allez, nous allons voir ensemble, en faisant le tour de votre caractère, âge par âge, afin de mieux vous connaître et afin de mieux savoir qui êtes-vous réellement, nos chers balances. Je rappelle que c'est un tirage général, surtout prenez-le avec beaucoup de légèreté, beaucoup de dérision et d'humour, et ne prenez que ce qui résonne pour vous, mes trésors. Ça ne remplacera jamais une guidance personnalisée. Bien entendu, si vous voulez une voyance à vous, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez mon adresse mail qui se trouve juste en dessous de la vidéo dans la barre d'informations. Et je me ferai un réel plaisir de vous aider. Merci en tout cas d'être présent sur l'assaut Énergie Divine. Merci mes balances, merci de commenter, merci de liker. Merci pour votre fidélité, gratitude infinie. Vous êtes des amours, merci, merci mes chéris. Allez, assez de blabla. Mais qui êtes-vous vraiment, la balance? À 3 ans, aller à l'école pour s'amuser, d'accord. Cela devient plus compliqué s'il faut s'appliquer. Et oui, il faut le voir, faire du charme à sa maîtresse pour continuer de dessiner plutôt que d'apprendre à écrire. L'enfant balance, sympathique avec les autres enfants, mais l'un d'eux a sa préférence. Il noue une amitié exclusive qu'avec un ou une camarade. Et qu'en est-il de votre caractère à 11 ans, mes chers balances? À 11 ans, de bonnes idées, mais des difficultés pour les appliquer par manque de confiance en vous. De la qualité de ses relations avec ses professeurs dépend sa volonté de travailler. Aucun problème à l'oral, c'est à l'écrit que la balance rencontre des difficultés, faute de concentration et faute de vouloir se concentrer. Les activités sportives, manuelles et artistiques l'attirent plus que les mathématiques. Et à 16 ans, qui est vraiment la balance ? Durant l'adolescence, l'ado balance joue souvent les assistantes sociales. Très populaire et amical, il recueille des confidences, arbitre les discussions, donne même des solutions. Il doit apprendre à arrêter ses décisions pour éviter de suivre plusieurs voies qui risquent de le mener nulle part. Soucieux de son image, l'ado balance adore plaire. L'amour occupe une place importante chez lui, parfois même aux dépens de ses études. Et qu'en est-il de vous, mes chers balances, à 30 ans? Eh bien, à 30 ans, la balance, c'est la grande classe. C'est l'adulte balance trentenaire qui en jette. Eh oui, il doit ses succès autant à ses compétences qu'à son charisme et à son charme. Il travaille dans un secteur qu'il fait appel au relationnel et est comblé d'avoir trouvé sa moitié, à laquelle il a volontiers sacrifié peut-être une partie de ses idéaux, avant de se remettre sur les rails ou de se reconvertir. Et qu'en est-il de votre caractère à 40 ans? Eh bien, à 40 ans, la balance, c'est une balance émancipée qui apparaît. Heureuse de reprendre son destin en main, elle a gravi les échelons avec cohérence et avec un esprit de cohésion avec son entourage. Elle a quitté l'entreprise pour ouvrir sa propre boutique, que ce soit de fleurs, de vêtements ou sa galerie d'art. Son corps s'est petit peu arrondi, malgré une élégance qui reste intacte. Voilà votre caractère à 40 ans, mes chers balances. Et qu'en est-il de votre caractère, mes trésors? Lorsque vous avez 50 ans, voire même plus, lorsque vous avez dépassé les 60 ans, que vous êtes à plus de 60 ans. Eh bien, mes trésors, on va voir ça ensemble. La balance à plus de 60 ans répartit ses journées entre ses proches, ses activités sportives, ses loisirs ou des associations. Très bien entourée, la balance partage des moments de vie exquis avec ses amis. Depuis le temps qu'on lui dit qu'elle a du talent, elle se décide enfin à l'exploiter.
La balance vit avec son temps et elle comble sa curiosité en s'intéressant à toutes sortes de choses et surtout aime aussi les voyages et s'enrichit en voyageant. Alors qui êtes-vous vraiment, mes chères balances? Eh bien, mes balances, c'est un charme irrésistible. C'est une grande élégance et surtout beaucoup de talent pour profiter de la vie. Voilà qui êtes-vous vraiment, mes chères balances. Et pour nous, alors, qui avons l'habitude de vous côtoyer au quotidien, selon la situation dans laquelle on est, que ce soit si vous êtes notre ami, si vous êtes un parent, si vous êtes notre patron, ou pourquoi pas, si la balance est notre chérie. Parce qu'il nous faut bien vous connaître afin de vous apprivoiser pour mieux vivre avec vous, nos trésors adorés. Eh bien, mes chers balances, on va voir ça. Si vous êtes un parent, si la balance est un parent, la balance évolue avec ses enfants. Elle se modernise, elle se renouvelle pour coller à leurs attentes. Elle apprend à être sociable, à s'adapter à toutes les situations. À la maison, on parle beaucoup et de tout. Difficile pour elle de refuser quoi que ce soit à ses enfants. Elle commence par dire non en fronçant les sourcils avant de céder d'un œil amusé. Tout est parfait à la maison, sauf quand elle retombe amoureuse après une séparation. Elle change. Vous avez l'impression de ne pas la reconnaître en la voyant s'effacer totalement derrière l'être aimé. Et si la balance est votre amie? Eh bien, si c'est mon amie, on s'amuse beaucoup avec un ami balance. Et puis, on peut tout se dire sans que l'amitié soit fragilisée. Bon, certes, il faut composer avec ses humeurs, mais il est le premier à s'en moquer. Parce que l'ami balance sait improviser. À ses côtés, on ne s'ennuie jamais. Positive, la balance trouve toujours les mots qui réchauffent le cœur et remontent le moral. Un petit clin d'œil à ma chère Sandra, mon amie et ma sœur de cœur, ma consœur, dont vous avez le lien qui se trouve juste en dessous. Elle a sa chaîne YouTube que je vous invite vivement à aller consulter d'ailleurs. Un petit coucou à ma sœur de cœur, justement, qui trouve toujours les mots qui réchauffent le cœur et remontent le moral. Je te reconnais bien là, ma chère amie. Enfin, son élégance, surtout, nous incite à l'imiter. Car chaque sortie devient un événement, c'est épatant avec la balance et c'est charmant. Voilà, si c'est votre amie, quel est son portrait et comment mieux la connaître pour l'apprivoiser, notre chère balance. Et si c'est votre patron, ah, là la donne est différente. Eh bien, si c'est votre boss, voilà un patron proche de son équipe. Parce que la balance s'attache à faire régner une bonne ambiance au travail. Les talents sont fédérés, les efforts sont conjugués et les succès sont partagés. Ne prenez jamais son oui pour acquis. Elle peut revenir sur sa décision, sans réelle explication. Ne soyez pas étonné non plus qu'elle vous demande votre opinion sur des sujets importants qu'elle est la seule à traiter. Ces tergiversions ne l'empêchent pas de s'entêter, à penser qu'elle a raison. Voilà quel est le portrait de la balance si c'est votre boss. Et j'ai gardé le meilleur pour la fin. Si vous avez votre chérie qui est balance, et oui, si c'est votre chérie, eh bien, dévouée corps et âme, la balance vous aime à fond, sans restriction. Elle prend tout de vous, vos qualités, vos défauts, vos travers, et c'est super bien, jusqu'à un certain point. À vouloir fusionner, elle finit par se sacrifier avant de vous le faire payer. La balance pense que donner, c'est recevoir. Aussi n'est-il pas facile d'accéder à ses exigences. Mais vous pouvez compter sur elle pour vous aider à atteindre les sommets. Et oui, elle vous suit au bout du monde. Magique aussi ce pouvoir de se mettre en beauté, rien que pour vous. Voilà mes trésors, quel est le portrait de la balance? Bien entendu, je rappelle que c'est un tirage général. Prenez-le avec beaucoup d'humour, s'il vous plaît, de dérision et de détachement. Et bien entendu, s'il y a des choses qui résonnent pour vous, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je me ferai un réel plaisir de vous lire. J'adore vous lire. Merci mes trésors pour vos commentaires. Vous êtes des amours. Merci, merci, merci. Et afin de mieux vous apprivoiser et mieux vous connaître, pour qu'on puisse bien vivre avec vous, mes chères balances. Nous qui sommes votre patron, qui sommes votre ami, qui sommes votre parent ou votre chéri, on va voir quel est votre côté pile et quel est votre côté face. Et oui, on a tous des qualités, on a tous deux côtés. Des côtés bons et puis des côtés un peu moins bons. Donc on va voir déjà les côtés excellents que vous avez, les bons côtés avec votre côté pile, mes chers amis balances. Eh bien la balance, c'est la délicatesse, la bienveillance et l'élégance. Voilà quels sont les trois mots qui vous définiraient. La médiocrité et la vulgarité, la balance ignore ces mots, qui ternissent la vie et froissent même les relations.
Elle est l'incarnation du raffinement. Elle se déplace dans l'espace avec grâce. Remercions-la de nous apprendre les règles de la bienséance. Car romantique, idéaliste, elle cède tout à l'amour. Son hospitalité est chaleureuse. Sa compagnie est agréable. Sa table est délicieuse. La balance raffole des débats, d'idées. Absorbe tous les sujets sans préjugés. Les injustices la révoltent. Elle s'attache d'ailleurs à les réparer. Son arme, la diplomatie. Parce que la balance parlemente jusqu'à trouver un arrangement. Et en équipe, elle conseille, elle soutient. En tout cas, attachée aux valeurs humaines, la balance éprouve de l'empathie à l'égard d'autrui. Voilà quels sont vos beaux côtés, vos magnifiques côtés, mes chères balances. Votre côté pile qui est plein de délicatesse, de bienveillance et d'élégance, ça vous reflète bien, moi je trouve particulièrement. Encore un petit clin d'œil à ma sœur de cœur Sandra, que j'aime très très fort. Bisous ma sœur. Et côté face, quels sont vos moins bons côtés, mes trésors? Parce que comme tout le monde, hein, il nous faut conjuguer avec nos deux côtés. Eh bien, tout est en trompe à l'œil. Charitable la balance, mon œil, aucune intensité émotionnelle. En sanglot devant un mélo, dans le fond, aucune compassion pour la situation. Son amabilité, c'est du bluff pour vous amadouer, s'inviter chez vous pour voir comment vous vivez. Assez de ses mouvements d'humeur, de sa manie de semer la zizanie à ne jamais prendre parti, elle parle de tout sauf d'elle-même. À peine l'incite-t-on à se rendre ou à se remettre en question, qu'elle sort totalement de ses gonds. Élégante, accro à se regarder le nombril, oui, romantique et pathétique, sans aucune personnalité quand elle devient l'ombre de son chéri. Amis, parents, enfants, passez votre chemin, parce que la muse ne jure que par son Jules. Et vous, vous passez après. Bien entendu, prenez-le avec dérision, je pense que Sandra ne va pas être d'accord avec moi sur ça, mais j'ai dit que c'était général. Alors prenez-le avec beaucoup de recul et d'humour et d'amour surtout. Allez, quels détails supplémentaires je peux vous donner, mes trésors, pour mieux apprendre à vous connaître, pour mieux savoir qui êtes-vous réellement, mais qui êtes-vous vraiment, mes chères balances? Eh bien, votre profil astro, peut-être, qui pourrait nous aider, parce que la balance est le deuxième signe d'air. La balance représente la brise légère. On court après le vent en gémeaux avant de ressentir ses caresses en balance. La balance est cérébrale. Elle puise sa volonté de concrétiser ses idées dans les yeux amoureux de son partenaire. C'est un signe cardinal qui entre dans la saison. Son manque de confiance freine ses élans. Mais Vénus lui apporte l'harmonie, la sensibilité et l'élégance. Voilà qui êtes-vous vraiment, mes chères balances. Et comment vous voit-on? Comment est-ce que les gens extérieurs, que ce soit vos amis, vos parents, votre patron ou votre chéri vous perçoivent, mes chers trésors? Eh bien, voilà comment vous voit-on de l'extérieur. Un corps svelte, gracieux, peut-être qui s'arrondit avec le temps, mais qui garde toute sa noblesse dans le maintien, de la gentillesse dans le regard. Vous avez le teint et les yeux clairs, les traits réguliers. On est sous le charme. Vous avez du goût en tout et on s'en inspire. Vos humeurs amusent plus qu'elles n'agacent. Un courant d'air et notre ronchonneuse retrouve le sourire. En revanche, nous laisser en plan parce que votre conjoint vous demande de rentrer sur le champ, ça c'est pas cool, mes chers amis balance. Voilà quel est votre portrait. Bien entendu, je rappelle que c'est un tirage général. Prenez-le avec beaucoup d'humour, je ne le dirai pas assez, beaucoup de dérision et beaucoup de légèreté. N'hésitez pas à commenter, à me dire si ce tirage a pu résonner pour vous. Parce que pour moi, vous restez, mes chers balances, avec un charme irrésistible, une grande élégance et du talent. Et vous êtes là pour nous aider à profiter de la vie et surtout pour profiter de la vie vous-même. Voilà, j'espère que ce tirage a pu vous plaire. N'hésitez pas à me faire un commentaire. Je vous fais plein, plein, plein de gros bisous, mes chers balances chéries. Et je ne vous ai pas oublié, vous allez bientôt avoir votre vidéo pour le mois de novembre. Je l'avais déjà faite, malheureusement, j'ai eu une restriction dessus puisque j'avais mis de la musique. Et on m'a demandé de supprimer la vidéo, donc j'ai été contrainte de supprimer la vidéo. Bien entendu, je vous referai une nouvelle vidéo qui va être postée incessamment sous peu, je m'y engage. Mes trésors pour les signes qui n'ont pas eu encore leur guidance pour le mois de novembre. Je vous fais plein, plein, plein de gros bisous. Merci pour votre présence, merci pour votre fidélité, merci pour vos commentaires. Merci de commenter, de liker, de partager, d'enrichir cette chaîne parce que c'est vous qui me donnez envie de continuer. Gratitude infinie, je vous aime mes trésors chéris. Soyez bénis et à très très vite pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à me donner des sujets qui pourraient vous intéresser. En tout cas, je vous aime et je vous embrasse très très fort mes amis.
À très vite pour une nouvelle vidéo. Soyez bénis.